félicitations. Merci. Ça va? J'avais un bon ballon. Oui, c'est pour pas me perdre. Bonjour. Bonjour. C'est bon qu'il fait le reportage là. Oui. Pas trop fatigué? Non, ça va, c'est le début. Troisième jour. Ah, encore un jour? C'est le début, j'ai un premier jour chez Lyon. Ah là, 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 il fait meilleur là quand même. Hier, il faisait chaud apparemment. Très, 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 très chaud. En avantage, je me suis fait du sale. Alors, faut pas tomber malade. Je vois que t'as changé de prénom, hein, félicitations. C'est un surnom. Presque affectif. C'était attribué par. L'ensemble de l'équipe, très affectueux. La caisse, ça fait vendre. Ça fait marrer, je crois. C'est clair. Et ici, on est bien, c'est clair. Alors, le programme du jour, c'est bubble tea, ramen, ramen bubble tea et. Bubble tea derrière. Ouais. Bubble tea aussi. Non, comme d'habitude, de la joie, de la bonne humeur, de l'ambiance, des bubble tea, des ramen, des bubble tea, des ramen. Bah, des vidéos, des interviews, des vidéos. Interviews, des vidéos. Tout à fait. Ça a été hier? Oui, fatigant, mais ça va. Ouais, encore deux jours à tenir. Question que se posent les internautes, est-ce que chez toi tu as acheté des kits bubble tea? Ouais. J'en achète régulièrement. Laissez une souplesse un peu. J'ai tapé, hein. Attends. Là, je fais plus loin. Ouais, mais je le maîtrise pas bien celui-là. Et je pense que c'est le cas de chacun des membres de notre équipe. Mm-hmm. Ouais, je veux dire, c'est la base, le kit c'est la base. Et c'est fait... Parce qu'on n'est pas tout le temps en convention. Ouais. Et donc quand on n'est pas en convention, bah, on voit des petits chiens. Et ça fait combien de temps que tu es parti de l'aventure? Ça fait 3 ans. 3 ans, le temps passe vite. Ça fait 3 ans que je fais des conventions. Mm-hmm. C'est ma troisième Japan Expo. J'ai commencé à la Japan Expo. Mm-hmm. Bon. Et là, c'est ma troisième et bah, ça se passe toujours aussi bien. Super fun. Alors, l'équipe est géniale, on se sent tous super bien. C'est tout le temps les mêmes personnes qu'on voit. Oh, le... On a les habitués. Alors, tu mens. Je fais un petit peu de. Pas de promotion. C'est mort. On paye le même. Merde. Directeur, merde. Et on s'entend tous super bien. Et donc tu as un métier à part ou c'est ton métier à 100%? Pardon? C'est ton métier ou ça... C'est un passe-temps. C'est un coup de main que je donne à mes amis. Non, c'est un passe-temps. Je prends des jours de repos pour venir le faire. Et je pense que c'est à part pour ceux vraiment qui travaillent chez Bubble Tea. On vient tous prêter main forte pour les conventions parce qu'on sait qu'on va tous s'amuser, qu'on va bien travailler, qu'on va passer un super moment. Et quelles sont vos prochaines conventions? J'en ai aucune idée, ça me ressemble à l'IMAP. Je pourrais le poser. Et après je connais pas le programme. Comme c'est de l'événementiel en général c'est pour les trucs c'est à la dernière minute. Donc là vous avez des mixeurs, vous avez Ouais, on a un peu changé notre mode opératoire pour gagner un peu de temps. De rapidité. Ouais, de rapidité. Efficacité. Parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de monde qui aime nos bubble tea. Ouais. Très content et on veut les servir au mieux. Et quelques bactéries au chèque pour lui mettre bonne humeur et ambiance aussi.
peux te souhaiter pour la suite? Pour la suite? Alors pour moi personnellement, chez SBOT. Bonjour, je vais prendre les crèmes perles du jus s'il vous plaît. Pardon, quel parfum? Lait, fraises et perles de jus. Ah, lait, fraises, d'accord. Et des perles de jus? Uniquement, oui, s'il vous plaît. Que des perles de jus? Oui. D'accord. Ouais.